Alors du coup, je vais me mettre sur la catégorie du jeu. Brothers. On avoue tout. Vraiment les pires. Alors, est-ce que ça a bien toujours les paramétrages de la dernière fois? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Ça dépend de quel jeu vidéo. CSGO, c'est pareil, ça fait super longtemps qu'on n'a pas joué. Truc de ouf. N'oubliez pas de me dire si on fait plusieurs heures. Cut, cut, now cut. D'accord? Je compte sur vous, évidemment. Hein. Ah, c'est marrant, ça a déplacé tout mon écran. Incroyable. Appuyez sur Start. Alors, voici et bienvenue sur Brothers, A Tale of Two Sons, qui est un jeu que nous avions découvert dans la trilogie du samedi, non pas de ce samedi, mais de samedi encore avant. Donc, c'est ni plus ni moins que l'histoire de deux frères de type viking qui parlent le Simslish, hein, la langue des signes. Des signes, non, pas celle-là. La langue des Sims. Et un homme était arrivé malade et pas en bonne santé, on peut le dire. Et du coup, on s'était dit, vite, conjoignons nos forces pour l'amener chez le médecin. Et de là, on avait plus ou moins compris que nous allions devoir trouver un remède pour sauver cet homme à base d'arbres. Donc j'en déduis qu'on cherche Yggdrasil, l'arbre le plus vaste du monde dans la mythologie un peu nordique viking. Je suis assez bien placée pour le savoir parce qu'en ce moment je suis à fond dans la série. Mais la particularité de ce jeu, c'est qu'en fait ça se joue à la manette et chaque joystick joue un frère et parfois il faut donc se coordonner les deux. Ce qui est parfois pas évident. Donc nous étions arrivés dans une espèce de grotte à l'aide d'un troll et nous avions libéré sa femelle. Voilà, en emprisonnant celui-là ici. Et voilà grosso merdo où on en était. Donc on s'imagine qu'on doit s'échapper maintenant de cet endroit grâce à elle qui va nous aider. Alors il faut que je me souvienne un petit peu de mes touches. Voilà, il suffit de monter comme ça. Très bien, c'est vraiment formidable. Et du coup, on va... Bah alors, qu'est-ce que tu fous toi? On oublie le petit frère! Ah là, il monte. Par contre, j'entends pas le son du jeu. Vous entendez, vous, ou pas? Moi, j'entends rien. C'est peut-être... peut-être moi. Nous allons voir vite fait sur le bureau. Alt échappe! Et start. Option. Paramètres. Option audio. Devrait fonctionner pourtant. Y a pas de. Pas de son. Pas de son! Ah, mais c'est un problème ça! Comment va-t-on faire? Mon Dieu, le troll des toilettes de Harry Potter! Prends ta baguette! Et paf dans le nez! D'ailleurs, elle est où ma baguette? Je sais pas, elle a dû choir quelque part. Non, mais attendez, il faut qu'on trouve le son là, ça va pas! Le bureau! Attendez, attendez, j'arrive pas à sortir de l'écran. Oh, j'ai tout cassé, mon ordinateur a tout cassé. On va relancer le jeu, je crois. Hein. Parce que là, ça ne va pas. Confirmé. Faut que je quitte et que je relance, je pense. Parce qu'il n'y a pas les paramètres. Option vidéo, non. Il n'y a pas, c'était bien, la dernière fois j'étais bien dans le grand écran, mais j'avais pas ce problème. Attendez. Comment ça, j'ai pas re de reçu de notif d'abo? Ça ne me dit rien. De quoi causes-tu? Toutes mes fenêtres se sont décalées! Le chat aussi, et ça, voilà. Bon, je relance, mais j'ai peur que ça refasse exactement la même chose. Ce qui serait embêtant, en fait. Hey, ça redécale tout. Vraiment incroyable. De la morve de troll. Mais cette fois, il y a le son. Du coup, ça va. Ah. Ça change tout. C'est bien mieux, bien sûr. D'ailleurs, on va même pouvoir baisser un peu maintenant le son. Oh, regardez cette musique viking! Allez, on repart dans le jeu du coup. Ah.
Ah oui! Ah bah ça change tout avec cette avec le son là. Hop là, et le petit frère qui s'accroche ici. Et donc en fait pour progresser, il y a plus ou moins des énigmes, tu vas voir. Alors là, je sais pas, il y a une espèce de plateforme. Attendez, madame l'ogresse là. Ah, attends. Attends! Il va falloir faire avancer le truc. Avancer elle peut-être, juste elle. Il va y avoir besoin des deux frères, ça c'est sûr. Alors c'est bien parce que c'est pas un jeu punitif, c'est-à-dire que si je m'approche trop du ravin, je ne tombe pas. Hein, moi qui contrôle les manettes avec approximation, c'est assez génial. Alors où est-ce qu'on veut l'envoyer? Bah là-bas, j'imagine. Par ici? Hein, ça semble pas mal, qu'est-ce que vous en dites? Peut-être pas en fait. Si! Elle va faire le pont entre les deux. Pas du tout, elle s'en bat les couilles. Elle s'en bat les couilles. Alors du coup, peut-être par là. Nous, on se fait un pont avec ça. Peut-être. Hein. Ah, mon sub a été oublié. Ah si, je vois Adrénique. Adrénique. Yassub, j'avais pas vu. Merci à toi, Adrainc. Et nous allons pouvoir passer par cette plateforme, c'est vraiment incroyable. Alors on saute, je sais plus trop comment. Ah bah ils font ça tout seuls. C'est génial, c'est vraiment génial. Qu'ils sont astucieux. Alors je sais pas trop où on va comme ça. Mais ça va. C'est pas le layout qui est cassé, Nao? Ah si, parce que je l'ai désaffiché hier! Attendez, je vous raffiche l'overlay. Si c'est pour ça, non c'est pas ça, c'est ça. Ah, je peux le rejouer, regarde. Splendide, absolument Splendide, absolument merveilleux. Et maintenant je retourne sur le jeu. Non, on fait pas tomber dans le trou. On dirait un peu la porte de Fort Boyard. Vite, vite, sors, prends la clé. Elle est pas bien, elle est blessée. Oh, regardez, c'est son amoureux! C'est beau l'amour entre deux êtres qui se ressemblent comme ça. Oh. Oh, c'est incroyable. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oh, oh mon Dieu! Un méchant! Ah! Saute là, vite, 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 vite! Ah, je pense que... Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Qu'est-ce que ça fait? Il va falloir casser les trucs. Oh là 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 là. On amène le petit frère. Cours après moi! Ah, il est grave con! Faut faire ça plein de fois! Allez, saleté, viens ici! Ma manette vibre, il me charge! C'est un taureau! Alors là, il faut que j'agrippe. Viens là! Viens là! Tombe! Oh, génial! Qu'il est con. Et bah alors? Faut que je lui marche dessus pour qu'il tombe. Mais je vais tomber aussi! Non, on s'en fout, ce n'est plus un danger, je pense. Il nous attrape pour nous sauver ou comment? Mais il est con, chatouille-le. Marche-lui sur les doigts. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut donc que là, je pense qu'il nous fasse la courte échelle. Ah, c'est ça. Non, pas du tout. Ah, oh, il est tombé, ça y est.
Ah bah il suffisait d'attendre. Je crois que ça lui a bien marché dessus. En fait, c'était ça. Il fallait lui marcher sur les doigts. Attrape-nous! Ah, oh, il est trop gentil, lui. C'est vraiment l'ogre de notre vie, hein. Je sais pas où on va comme ça, mais on y va. Fais-lui des guillis. Le troll qui fait des tractions au Kekan. Oh, regarde, main dans la main. J'espère qu'on sera invité au mariage. Donc voilà, là, on est là. Bon, alors. Où est l'arbre qui va servir à sauver cet homme? Pécho Maya. Au revoir. Il nous a dit, bah, c'est par ici. L'ogre, il a dit, suis le chemin. Ah oui, courant. Ils sont pas bourrés, ils n'ont pas bu. C'est juste que c'est moi qui ai du mal à les contrôler. C'est marrant, on dirait que cette montagne a un visage. Tu vois, il va pas bien. On s'est dit que c'était Monsieur Weasley ou notre père, on savait pas trop. Oh! Crash, limace! Ah, il est au bout de sa vie, il est temps qu'on trouve un remède, hein. Ça va aller, monsieur. Non, ce n'est pas la mort. Si vous voyez de la lumière, n'y allez pas. Ils vont venir, ils vont vous sauver. Oui, c'est Ron. C'est un sang de bourbe. Là, on fait une petite pause de feu de camp. Ah merde! Vous voyez un loup-garou comme moi juste derrière? Ça sent pas bon là, hein? Ils vont nous manger! Allez, réveille-toi, petit frère! Je crois qu'on nous regarde! C'est le professeur Lupin. Toi aussi, prends peut-être un bâton, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, ils ont pas l'air commodes. Faut qu'on se casse, mais pas par là où il y a les loups, quoi, du coup, hein, j'en déduis. Aïe, 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 aïe. Que faut-il faire du coup? Il n'y a pas un autre chemin où partir? Non, là c'est bloqué donc c'est pas par là. Mais on est bloqué par les feuilles, c'est comme. Ah! Le petit frère! Le petit frère! Le petit frère! Putain! Ah merde, hein, s'il faut être synchro avec les deux, ça va être un problème! Mais j'ai pas du tout envie d'aller là-bas, moi. De quel côté vous dites? Ah mais non, te brûle pas, espèce de con! Oh, je te jure. Le feu, ça brûle. Mais c'est pas vrai! Je vais jamais pouvoir. Ah, fais passer le petit en premier et laisse le grand en backup. Ah, t'as peut-être raison. Parce que lui n'a pas de lumière, n'est-ce pas? Ah non. Faut pas lui tourner le dos. Bah pourtant. Ah, il faut que je fasse ça. Oui, bien sûr. Faut que j'agite ma torche pour le faire fuir. Allez, recule! Ah, il y en a un autre qui arrive de l'autre côté. Oh merde! Oh, ça va être dur, dis donc. Je suis même pas sûre du côté où on doit aller. Ah, c'est bon, il se casse! Ah, il faut lui brûler le museau! C'est bon, on a la strat! Oh, on est trop fort, beaucoup trop fort. Je sais pas où il y en a d'autres. Ils vont nous sauter dessus, on n'est pas prêts. Là, il y en a. Oh, qui s'est pendu? Mais mon Dieu. Oh. Oh là 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 là.
Ouais, casse-toi, je suis en train de foutre le feu à mon petit frère. Là, je lui dis des insultes gitans, elle va partir. Allez! Elle trouve des cadavres dans la forêt, ça tourne mal, hein. OMG, Logan Paul. Bon, fermez les yeux. On va être censuré par YouTube. Ils font un bloc. Et bah... Ah, y'en a un autre! Allez, approche ton nez que je te le crame. Voilà, super. Je sais pas sur quoi on va tomber encore, mais... Oh, une ville! Ah, un cimetière! oui. Oh là là, ça me dit absolument... Oh, c'est vraiment joyeux cet endroit, hein. Après les... Oh! Franchement, c'était... J'ai eu peur avec les beats. Coucou les amis, c'est David Lafarge Pokémon. Tu le écoutes, Flaviche. Là, j'ai plus ma... J'ai plus mon bout de bois enflammé. Bon, j'espère que c'est pas... Y a pas de mort-vivant. Des vampires ou des fantômes, t'imagines? Alors attends, parce que là, visiblement, donc la porte est fermée. Et on ne peut pas passer. Ici, il y a une porte. Et là, une cloche. Il y a des, il y a des trucs à faire, c'est sûr. Hein. Par là, peut-être. Allô? Y a-t-il quelqu'un? Waouh, ça m'a pas l'air d'être quelqu'un de sympa. Ah si, peut-être. Ah, on lui demande de la lumière, il ne veut pas nous la donner. Attends. Et lui, peut-être que... On cherche ça, monsieur. Il faut passer par là, d'accord. Ah, il nous y conduit, il va nous ouvrir. Il va nous ouvrir. Attends, lui, on vient de le réveiller, je pense. Il claudicoque un peu quand il marche, hein. Ah, il nous ouvre. C'était le gardien de la porte. Merci, monsieur. Au revoir. Ah oui, mais on n'a plus le feu de bois. Cours. Oh bah... Oh bah saute, hein. Waouh. Ouais, on fait du surf. Le rocher, accrochez-vous. Je sais pas où on doit aller, mais on y va. Là, stop. Yes. On va pouvoir s'échapper par ici. Ça aurait été drôle qu'on saute quand même, hein. Mais je donnais pas cher de notre peau du coup, hein. Je pense qu'on peut passer par là, voilà. Incroyable. Le principe du surf, c'est d'être sur l'eau. Fermez pas les yeux quand elle fait ses bruitages. Hop. Alors, par où doit-on passer? Je ne sais pas. On va regarder la vue. Tu veux qu'on passe là? Et surtout qu'on aille où? Il faut qu'on descende là, je pense. Ouais. Par ici, genre. Alors, par où? C'est très bizarre. Pas par là, alors. Par ici? Ah oui, bah suivez les lumières, hein. Je pense que c'est... Ah ouais, l'arbre. Par contre, il y a eu l'idée de mettre avant à cet endroit. Mais beaucoup de monde s'arrête par ici. Attends, lequel est le grand frère? Lequel est le petit? Celui-là, c'est le grand. Voilà.
Waouh! Allez, le petit frère, tout pareil. Oh non! Ah bah ça valait le coup, tiens. Où ils sont? Non, ils sont séparés. Merde! Oh, quelle merde! Oh non! Accroche-toi! Monte sur ce caillou! Qu'est-ce que t'essayes de faire avec cette racine? Et il dit accroche-toi à la branche! Il a pas l'air bien. Le grand frère en mode j'arrive! Si, si, là il va s'accrocher, c'est bon. Oh là 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 là, mais tout casse encore! Oh putain, on n'en peut plus! Oh, s'il survit, ce sera un warrior. Hein. Attends, mais... Je viens d'être agressé par l'arbre, je n'ai point rêvé. Comment faire? Je ne sais pas. Des racines qui bougent. C'est les arbres enchantés. C'est des abracnides trop méchants, genre. Attends, c'est le grand qui doit rejoindre le petit. Non, pas du tout. Ah, ah, attends. Oh. Ah d'accord, j'ai compris. Ah, c'est incroyable. Il ne faut pas qu'il se fasse attraper. Attends, il faut qu'il monte un peu. C'est bon, c'est bon. Là, on n'est pas bien. On est vraiment entre deux. Oh, mon Dieu. Il en pousse tous les... Attends, il faut qu'il descende un petit peu, le petit. Oh là là, ça me stresse. Je suis stressée pour lui. Il y en a... Ils vont m'attraper. Non. Quelle force. N'empêche, quelle force. Incroyable. Non. Ne vous rapprochez pas de moi. Non. Aïe, 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 aïe. Vous auriez pensé à cette stratégie? Bon, à un moment, il va falloir le remonter, mais... Quoi? Ah non, mais c'est scandaleux, monsieur. C'est un peu surhumain pour son âge. Il va le sauver encore une fois, mais le vrai bro. Tellement le sauveur. Le petit, c'est vraiment pas nager, c'est une pierre. Hein. Il nage comme un caillou, on dirait moi. Allez, viens que je te ramène à la surface. Ils sont quand même ultra moisis, les gamins. Tout ça pour ça, j'avoue, tellement de déceptions. Allez, petite séance de réanimation cardio-pulmonaire à base de bouche à bouche. Ah bah trop simple, il suffit de caresser doucement la poitrine et c'est bon. Il s'en sort. Le petit se fait tellement bolosser. Ils auraient mieux fait de sauter direct en vrai. Hein. Bon là on est arrivé quasiment dans l'océan, j'ai envie de te dire. Vu là où on est descendu. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Je vois une main géante. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour madame. Qu'est-ce que vous faites dans la rivière? On ne comprend pas. Et on marche dessus sans pression, hein. Ça ne nous semble pas du tout bizarre. Bonjour Alice au pays des merveilles, tu as bu trop de potions? Ah mais, elle dit... Tiens notre père. Attends, je vais lui caresser le sourcil. Qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas mourir toi aussi maintenant? Oh, personne ne va bien là. Je sais pas ce qui est en train de se passer mais c'est trop bizarre. Ah, moi je vois une femme géante comme ça, j'ai peur. C'est très très bizarre.
Ah lui, il est pas bien. Il est AFK. Qu'est-ce que je peux faire? Du coup, j'ai que le petit. Bonjour madame. Est-ce que si je vous touche le nez, ça fait quelque chose? Si j'essaye de libérer lui. Non. Alors, attends, si je lui donne un coup de boule. Maya? Absolument pas. Si à elle, je... Oh maman. Non, je peux que lui faire des câlins. Ah c'est bon, il fallait la caresser. Toujours caresser une femme. Sauver le père. Voilà, petit massage cardiaque pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Il essaye de me tuer, mais what the fuck, tu l'as essayé. T'as passé ton temps à me sauver pour ça? Réveille-toi, tu es somnambule. Ma manette vibre. Mais il m'a vraiment tué? Ah non, c'était un cauchemar. Ah, c'est bon. C'est bon! Pas de panique! Le petit frère, cette victime, j'avoue, c'est encore lui qui prenait. Mais non, petite séance de câlin. Nous sommes vivants! C'est incroyable. Pour toi? Ça va aller. Ce n'était qu'un mauvais rêve. T'as bu un peu trop la tasse. Bon, du coup, on y va par là. Ah non, il s'est fait chier à sauver cette merde. S'il le tue, en plus, ça ne va plus. Je crois que ce monsieur va se suicider. Vite! Intervention des forces de sécurité de la forêt. Ne faites pas ça! Maru, Adi, ta... Sauve-le! Aïe, il attend. Coupe la corde! Non, ne descends pas! Remonte! Vite! Remonte! Il faut couper la corde! Comment je peux faire? Je peux pas couper la corde! Aïe, il attend. Quel est ce jeu? J'arrive pas à me déplacer. Attends, en fait, je pense qu'il suffit de remettre le tabouret. Je pense que c'est ça la strat. Non, absolument pas. Ce n'est pas ça la strat. Il me dit bien d'aller en haut, hein. Mais que me manque-t-il? Une pierre, quelque chose, hein. Va, la monte. Oui, je vais en haut, j'y retourne. Pas de panique. Coucou tout le monde. Il attend. C'est Hogan Paul. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Allez, défais le nœud. Défais le nœud. Voilà, intervention réussie. Et alors, on veut se suicider? Qu'est-ce que c'est que cette pratique? Un peu plus de tonicité, monsieur. C'est pas comme ça que vont se résoudre vos problèmes. On a fait une bonne action, on lui a sauvé la vie. Bon, par contre, là, on est arrivé un peu tard pour cela. Attends. C'est peut-être sa femme et sa fille, genre. Oh, sa maison a cramé! Non, sa maison a cramé. Et c'est pour ça qu'il voulait les rejoindre dans le Valhalla. Ah, oh, c'est terrible. Ne presse pas, surtout il est lourd, ce con. Bon, l'a sauvé, c'était notre bonne action, d'accord? Ah, un incendie, c'est un incendie, hein. Ça, on est arrivé un peu trop tard. On n'est pas pompiers non plus, hein. Bon alors. Que pouvons-nous faire? T'aurais dû le pousser du haut de la falaise. Bah non, quand même pas. Alors, vas-y, si t'actives ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un pont. Ah oui. Vraiment, le pont qui se relève au max. Ah, j'ai pas de strat du coup, hein. C'est soit tout ou soit rien. Comment faire? Comment va-t-on pouvoir faire? Est-ce qu'il faut pas passer de l'autre côté d'un genre? Ou j'ai oublié quelque chose? Ah, le petit peut passer dans les barrières d'habitude. Ah oui, voilà, c'est ça. Ah, attends, est-ce qu'il faut pas qu'il s'accroche, genre...
Ah si, il doit s'accrocher au moulin avant et passer de moulin avant en moulin avant. Ah ouais, c'est ça, what the fuck. Il prend pas du tout de risque, hein, toujours, hein. Oh, c'est bon, je suis arrivée. Waouh, trop simple ce jeu. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire? Manivelle, manivelle. Ah oui, attends. Toi, tire ça. Lève le pont. Lui, il va dérouler un truc pour que ça se clippe dedans. C'est ça. Hein, tu vas voir. C'est comme... comme un soutien-gorge. Ça s'accroche pareil. Ah, mais attends, c'est... Et paf, this is the pont. C'est Disneyland. C'est un peu plus dangereux que Disneyland. Et en plus, je suis pas sûre qu'il fasse la taille requise pour les manèges de Disney, en vrai. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui gueule sa vie. Qui ressent beaucoup de souffrance, probablement. Je ne sais pas d'où ça vient. Hein. Peut-être un autre incendie de maison qui a eu lieu, quelque part. Encore un banc. C'est la foire au banc dans ce jeu. Hein. Vous entendez comme moi? Il y a une créature quelque part. This is a pont. Non, mais tu leur fais signer une décharge et puis voilà, Disneyland. Ok. Donc là, on fait le tour. Oh, ah ouais, ça ne me dit rien qui vaille. Hein. Là, il faut pas tomber. Hein. Ce serait terrible, je pense. Après, ça va, le jeu est beau. Oulala, il va se passer un truc au détour de ce rocher. Ah, on a trouvé l'arbre. Ah non, c'est pas un arbre. Hein. Je confirme que ce n'est pas un arbre. Il faut qu'on aille dans cette tour, du coup. C'était donc ça, notre objectif. Pourquoi j'ai l'impression qu'on va devoir voler de cette plateforme à la tour? Je ne sais pas. La caméra qui fait bien comprendre que t'es fuckhead. C'est exactement ça. Et si on y allait en bouc? Tu crois qu'il nous charge, genre? En fait, on peut rien faire, là. Ah si. Libérer les boucs. Oh, on y va en boucle, prends-en un. Oh, c'est trop génial. Oh, c'est trop génial. Oh, c'est trop génial, je sais pas où on va, mais on y va. Mais attends, parce que du coup, par où on doit aller? Ah, par là. Youhou. Oh, je veux trop faire ça, moi aussi. Oh, merde. Oh, ça va, heureusement que le jeu est quand même vachement téléguidé, hein. Wouh! Remonte dessus! Il est descendu du bouc! Si je lâche, ça descend. Splendide, merveilleux, merci monsieur Alex. 34374 pour le sub et bienvenue dans la Horde. On est arrivé! Oh, ils sont trop mignons! Adieu mes petites piquettes! Ah, oh, c'était trop... C'était trop bien! Ah, ils volent les boucs par contre. Mais non, ça vole pas! Mais c'était trop génial! Ouais, ça c'est Professeur Folding. Salut Einstein! On te reconnaît, hein! Ou alors, qu'est-ce que ça va nous demander de faire? Là, il y a deux manivelles. À un moment, on va donc devoir maniveler. Remettre des engrages dans le bon endroit. On va voir. Tout ça pour ça, moi qui pensais qu'on les mangeait à la fin. Mais non, ça va pas de dire ça.
Alors, où doit-on le mettre? Là-haut! Comment monter là-haut? Ah, par ici, tout simplement. Ah! Je peux pas sauter quand j'ai la pièce! Du coup, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un moyen que je la récupère quelque part? On va faire de l'avion, hein, les amis, hein? Je pense. Comment je peux récupérer cette pièce? Tu veux pas sauter, t'es sûr, hein? Il va falloir que je me coordonne. Je vois pas par où il pourrait me les passer, en fait. Par ce rocher? Non. Ah! En bas, il faut les lancer, je pense. Je pense qu'il faut lancer la pièce. Je vois que ça comme strat. Ouais, faut le lancer, je pense. Ouais, je pense que tu as raison, Alex Mog. Non! Attends. Ah oui, d'une violence. Ça, c'est un très très bon lancer, hein. J'ai cru qu'elle allait arriver de l'autre côté, même. Vise bien la tête. Ah mais du coup il peut pas passer le pont. Ah bah non, parce qu'il faut qu'il ait de l'équilibre, bien sûr. C'est le grand frère qui doit balancer, c'est ça? Et le petit qui réceptionne? Je sais pas. Y'a que lui qui a cette force là. Ah ouais, c'est ça. C'est absolument ça. Et voilà, nous allons pouvoir maniveler. Dans la gueule là, et paf. Hop. Alors là, c'est très marrant parce qu'il faut faire ça avec le joystick. J'ai l'impression de masser ma manette. Je masse ma manette. Je masse ma manette. Petit massage délicat. Ça passe à travers, le jeu cheat. Ça redescend pas une fois que c'est là? Non. Nickel. Lui, il va nous faire un arrêt cardiaque dans les escaliers. Eh, ça va, franchement, il est calé. Regardez ce toit terrasse dont il dispose. Assez incroyable. C'est incroyable, moi, je trouve. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en haut? Il y a une autre manivelle. Ah ouais, il y a deux trucs. Attends, vas-y voir. Le vieux qui tape un sprint. Alors là, c'est pour faire du vent, dirait-on. Attends. Les deux doivent pousser en même temps, je pense. Les deux doivent pousser. J'ai pas compris ce qu'il faisait le petit, là, mais... C'est peut-être l'inverse. Peut-être le petit doit maniveler et le grand aller à l'autre. Peut-être qu'il faut une force supplémentaire, je ne sais pas. Ah oui, c'est ça! Voilà, le grand a de la force, le petit n'en a pas. Attendez, il y a un... J'ai l'impression que j'appelle une bestiole. Pourquoi je fais ça? Quel est le sens de ma vie? Quel est le but dans ma vie? Je ne sais pas. Faire de la musique avec du vent. Revenons-y plus tard, qu'est-ce que vous en dites? Parce que là, ça m'a brainfuck. J'ai pas compris. Attends, peut-être des trucs à faire en bas. Bah super. Je croyais qu'on appelait une espèce de... d'oiseau là. Alors là, c'est pour regarder. Regarde où on va atterrir. On peut vraiment tout voir, hein. Très bonne visibilité. Bah, faut qu'on aille là. Je te jure qu'il y a un espèce d'oiseau qui fait quelque chose, hein. Il n'y avait pas une plateforme? Atterrir là, peut-être. Bon bah, essayons de faire ça, hein.
Je pense que c'est le moment du décollage. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai peur. J'ai un peu peur, hein. On y va ou c'est trop prématuré? Et tu vois, Roger, ça, c'est ma grosse tour. Écoutez, je pense que le moment est venu. Je ne le sens absolument pas, mais quand il faut y aller, faut y aller. Du coup, bah... C'est parti! On va mourir, voilà. Ouais. Oh. Je sais pas si je contrôle vraiment la bête, mais en tout cas... Oh oui! On va sur un rocher, tourne! Oh! Merci Liro, salut, salut! Ah! Je n'ai pas mon brevet de pilotage de cet engin! En plus, il faut viser! Viser le trou! C'est bon. Ah, on va toucher. Ah, j'ai peur. Où est-ce qu'on va? On remonte, un coureur d'air ascendant. Ouah, de l'autre côté, de l'autre côté. Non. J'ai pas bien visé. Ça va rayer la peinture. C'est ainsi que bah ils moururent. Bon bah c'est reparti du coup hein. On a vu qu'il fallait pas rayer la carrosserie, d'accord? Bah bravo. Non mais c'est bon, tout va bien se passer cette fois. Entre temps on a passé notre permis, ça va être énorme. Voilà, genre par là. Ça, de se tromper de trou. Par ici. Faut pas que les ailes touchent, mais j'ai de grandes ailes aussi là. Par là. Pas trop. C'est surtout le poids du grand frère qui fait la diff. Allez, ça passe. Ça ne touche pas. Attention, c'est bientôt le moment où ça va remonter. C'est bon. C'est bon. Ah! Merde, fucking oiseau. Regardez, il y a des trous dans mes ailes. Oh! Vite, faut que ça tienne. Ah, ça tient. Dis-moi, ça tient. Ça tient. C'est bon. Ah non, fallait pas aller là. Merde, moi je voulais atterrir ici. Non. Ah, il faut pas que je prenne la montagne d'hier. Ok, d'accord. On va juste pas le faire trois fois de suite. Bon bah on y retourne hein. Allez, c'est parti. Non mais on aime tellement ça qu'on le refait. C'est c'est de la télévision évidemment. Airplane en carton simulator. on va là, c'est n'importe quoi. On est beaucoup plus haut que la dernière fois ou c'est moi qui hallucine? C'était pour vous faire savourer cette musique. Bon les gars, dans une heure quand elle aura réussi. Mais non, regardez! Brevet de pilotage incoming! Passe ton brevet de planeur avec Nao! Voilà! Rétablissons! Stabilisons l'embarcadère! Voilà! Ça passe, attention, ne pas rayer la carrosserie! C'est important, là ça va redescendre pour mieux monter! Oh! Ah, tourne à droite! Attention là, il redresse à gauche.
Voilà, attention, fucking oiseau, fucking oiseau. Tout de suite, maintenant. Voilà, trou dans les ailes, trou dans les ailes. But, but, but. Mayday, mayday. Nous allons nous écraser, mayday, mayday. Voilà, il va falloir... Ah, t'as pas trop sur la montagne. Il faut viser juste, non pas là, pas cette montagne-là. Je sais pas où il faut atterrir du coup. En tout cas, il fallait pas se prendre ce mur, ça c'est sûr. Où faut-il aller? Parce que là, nous sommes en train de nous écrabouiller. Là! Ah, c'est bon! Le pilotage automatique. Ouais! On est à la tour! C'est bon! Ah, ça a l'air d'être la tour de mon parchemin, vraiment incroyable. Récupérons cette corde. Elle pourra nous servir. Pour que faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ah, on s'attache pour faire de l'escalade, évidemment. Et oui, sécurité avant tout. Le grand frère est vraiment très précautionneux. Hein. Oh, aïe, aïe, aïe. Je le sens pas du tout. Je le sens pas. Je pense qu'il faut monter ses racines. Intelligent le grand, ils veulent se pendre aussi. Alors on est bien parti pour. On s'attache et on s'empoisonne. Ah bah voilà pourquoi on l'a attaché lui. Qu'il est con. Voilà. Moi je pensais qu'il fallait essayer de sauter sur ce truc. Mais visiblement il lâche prise. Ah c'est bon. Et après... Je sais pas. Pas de strat là. Oh, il va falloir se balancer. Ah ouais. Oh tiens bon. De toute façon les deux vont devoir le faire à un moment. Attends, mais j'arrive pas parce qu'il bloque dans les racines. Je voulais le faire remonter un peu sur la corde, genre. C'est bon. Il y va. La force du petit, il va partir avec. Je sais pas si je peux l'avoir beaucoup plus que ça, c'est un peu chiant, quoi. Si, il monte, hein. Je crois qu'il y a de plus en plus de propulsion. Il y a un début de quelque chose. Le petit va lâcher. Le petit va lâcher. Quand tu veux, hein. Oh putain, il a tout lâché le con. Attends, et si on échangeait les rôles? Je sens plus le grand et le petit de l'autre côté. Ah ok, d'accord, super les gars. GG wellplay en tout cas. Tu veux pas les lancer les deux dans le vide pour la science? Non mais le grand est un peu con aussi quand il s'y met. Allez c'est parti, le petit lui il connaît la strat. Allez, you can do it. Mais lâche cette putain de racine. Putain qu'elle fait chier la racine. C'est bon. Bon bah on a plus qu'à attendre qu'il... Ah oui, ah ouais, faut que je fasse vraiment... Ah bah voilà comment gagner. Wouhou. Wouhou. Wouah. Ah bah voilà la vitesse tout de suite. C'est un autre délire. Waouh. Youhou. Oh, j'y allais trop calmement. Faut que je lâche le grand. Faut pas que je me gourde de qui je lâche. Yaha. Et youhou. Oh, c'est incroyable. Alors, le petit. Le grand. C'est bon. Et maintenant, on saute. On saute. On saute. On saute. Le petit. Ouah. Il est emporté.
Il se prend tous les cailloux de la falaise. C'est tellement génial. Oh putain. Allez, la racine maintenant. Wouhou. Et voilà. Et voilà comment on arrive sain et sauf. Ninja Warrior, le truc. Ça doit être marrant, ouais. Allez, tire-le. C'est bon, on est arrivé. Et ben, c'est... ce jeu, c'est du sport quand même. Qu'est-ce que c'est que ça, ma parole? Par où doit-on aller? Monter ses portes? Ah oui, absolument. Je sais pas pourquoi. Ah, on doit faire le tour. Ok. On fait le tour, on fait le tour. Oh non! Oh non, ça va être incroyable. Mais pourquoi on peut pas marcher sur la plateforme? Ça semble beaucoup plus safe. Je veux dire, il y a un chemin par terre. Ils ont peur que ça s'éboulisse ou comment? Attends. Le petit! Yo! C'est reparti. Là, je suis trop musclée des poussins. Je suis en train de faire une musculation, quoi. Oh, allez, ah non, lâche, hein. Oh putain, ça se casse la gueule! Go! Oh, pas de temps à perdre! Oh, ça se casse la goule! Ah, c'est bon, c'est bon! Wouhouhou! Ah! C'est bon, on a évité, on a évité. Incroyable! Le beau jeu! Non, c'était du speedrun, quoi. Alors là aussi, il va falloir escalader, je pense. Attends, je préfère quand le grand, il est... Attends, le grand, c'est mon joystick droit. Voilà! Hop là, hop là, hop là, hop là. Hop là. Tu fais youhou! Là. Tac. Tac. Oh, c'est très bizarre. Je pense qu'il faut que le petit lâche et passe derrière. Ah non, comme ça, tout simplement. Alors le grand. Pas que je me gourde qui descend, quoi. Hop là. Hop. Saute, saute, saute encore, toujours plus haut, voilà, oh génial, incroyable. Est-ce que vous venez de voir la taille de la fourchette que je viens de voir? Regardez la taille du mobilier à l'intérieur. Ça ne me dit absolument rien qui vaille. Ah mon dieu. Il y a encore l'oiseau bizarre qui pleure. Si c'est un oiseau. Parce que finalement on se pose question, quoi. Saute, petit. Ok. Le rang. On va se faire attaquer par des mouettes. On va rien comprendre, hein. Youhou! Yeah! Et après? Un peu... En haut? En haut? Oh ya ya! J'ai peur! Il va y avoir une grosse bête! Notre corde va être trop... Alors là, si on savait pas qu'on était là, maintenant on sait. On casse tout. Il veut pas venir de mon côté du plancher, hein.
c'est bon, on est concentré. Ah aïe aïe aïe, j'ai l'impression d'être dans la tanière des cancrelates. Ah, le cut! C'est l'heure déjà, j'ai pas du tout suivi. Ah, génial. Donc ça, c'est le... Pause! La suite au prochain épisode. Voilà, c'est ma façon de faire des cuts. On repart. On est toujours...